des souvenirs. De vieux souvenirs reviennent. Les paroles de mon père gisant dans la vieille ruelle sombre. Il nous protégeait, mon frère. Où es-tu, mon frère ? 15 ans que tout ça est arrivé. J'ai jamais cessé de m'entraîner pour devenir plus fort que mon père. 15 ans que je ne compte que sur moi-même. Bienvenue chez moi. C'est pas le grand luxe, je sais, mais rien qu'un canapé en guise de lit, ça me suffit. Pas besoin du confort des honnêtes gens dans la vie que je mène. Ce matin, comme d'hab à mon réveil, Franck me passe un coup de fil. Il prend de mes nouvelles et continue à me botter le train pour que je trouve un taf. Il paraît qu'ils ont besoin d'un costaud sur le chantier industriel. Ça tombe bien, moi, les muscles, j'en manque pas. Le temps de faire quelques pompes, avaler une pizza surgelée, et j'y vais. Avec un peu de chance, ça me rapportera de quoi payer le loyer. Je prends jamais le bus, pas la peine. Mes économies sont déjà assez maigres comme ça. Mais les rues sont mal famées, et forcément je m'attire des ennuis. Deux clampins me tombent dessus et ils veulent me racketter. J'ai beau rien avoir sur moi, j'ai tout de même ma fierté. Je suis pas du genre à me dégonfler devant des zonards. C'est parti pour une nouvelle bagarre. Ceux-là vont tâter de mon crochet du droit. Les enfoirés m'ont mis KO à coups de batte. Aucun honneur, ils sont partis comme des lâches en me laissant en plan. Un vieux type s'est approché de moi alors que je traînais comme une larve sur le bitume. Il me dit être impressionné par ce qui s'est passé. C'est Mike, comme il s'appelle. Il me propose de le voir chez lui, dans son bureau, une fois remis sur pied. Un bureau, ça? On dirait plus un hangar rempli de babioles, une vraie brocante. Et dire que Franck trouvait que chez moi c'était le bordel. Le type a une ribambelle de coupe et de trophée de boxe. Il mérite tout mon respect. Surtout qu'il me propose de faire de moi un champion aussi. Si ce Mike est balèze à ce point, avec de l'expérience, vu son âge, ça peut me convaincre. Pour commencer, il m'envoie vers un de ses potes, Silver. Un type assez arrogant qui tient un gymnase ainsi qu'une ligue amateur. Pour la première fois, je ressens quelque chose de différent. Je suis motivé. J'ai vraiment la sensation que c'est enfin un projet que je peux faire de ma vie minable. Mettre à contribution ses muscles. Quand bien même, je m'aventure dans le néant. Je m'inscris à cette ligue qui a lieu tous les 3 jours. On verra bien. Je file dépenser les quelques dollars qui me restent dans le gymnase. Ça me remettra en forme. Il y a tout ce qu'il faut ici. Du bon matériel neuf, adapté et réglementaire. J'y passe le reste de la journée. Ça m'a requinqué cette session. J'en profite pour passer voir Apu, un petit gars qui a une boutique dans le ghetto. J'y prends de quoi me faire un bon repas pour ce soir. Rien ne vaut un gros steak. Au final, je suis pas allé faire ce job au chantier et j'ai dépensé le reste de mes économies. Mais pour une fois, j'ai un but. Quelque chose d'exaltant qui me motive dans la vie. C'est ma chance de prouver ce que je vaux. Maintenant, j'en suis sûr. Quelque chose en moi s'est réveillé. J'ai vraiment les crocs. Je crois que j'ai un peu trop forcé la reprise. J'ai plus rien à bouffer, j'ai plus une thune. Ah, j'aime pas dépendre des autres. Mais pas question d'être à la rue. Mike m'a proposé de le voir si j'avais mon frigo vide. Il partage son hamburger avec plaisir. Ensuite, plus le choix. J'ai vraiment besoin d'argent. Heureusement, j'ai tout de même obtenu le poste au chantier, payé 50 dollars la journée. C'est pas énorme, mais ça fera l'affaire. Par contre, le travail ne me fait pas faire d'exercice. Ah, va falloir que je m'organise pour subvenir à mes besoins tout en progressant. C'est aujourd'hui que débute la Ligue Amateur. Déjà, le temps passe vite. Sur le ring se pointe mon adversaire du jour, Song Mo. Je dois le mettre au tapis avant 10 rounds. Visiblement, il a pas grand chose à part de la bidoche. Ce sera une formalité. Après quelques coups, il finit KO. Ça m'aura donné plus de fil à retordre que je l'aurais pensé. Il faut que j'améliore ma technique. Je devrais bloquer davantage de coups aussi, je suis trop dans l'attaque. Je me retrouve en 11e position du classement. En tout cas, c'est sûr, dans 3 jours, j'y retourne. J'ai passé une grosse journée à m'entraîner et ce match m'a ouvert l'appétit.
Je retourne voir ce Apu. Je me referai bien de ces steaks. Là, une pauvre tâche se pointe. Je le vois qui commence à chercher des noises au pauvre Apu. Il veut lui tirer du cash. J'ai pensé partir, je veux pas de problème. Mais d'un autre côté, s'il y a bien un truc que je sais faire, c'est cogner. Dommage pour lui. Je venais d'encaisser un combat et voilà que je me retrouve une nouvelle fois dans la bagarre. Je lui fais tâter de ma bonne vieille rangée de phalanges. Le type, le nez en sang, finit par s'enfuir. Ce bon Apu me remercie. Apparemment, je lui ai rappelé un ami à lui qui tient un restaurant. C'est un certain Kazé, un ancien marine reconverti qui peut me proposer du taf. On verra bien. Je me réveille encore, avec mon frigo, vide. Heureusement, le vieux Mike est toujours aussi généreux. Je mange un bout chez lui, on discute un peu philosophie ou je sais pas trop quoi. Et c'est le moment de retourner au taf. Les outils sont assez costauds à manier, mais au moins ça me permet de garder la forme, malgré le temps que ça me coûte. Et je profite de mon week-end pour me poser un peu. Je suis épuisé. Ma vie s'accélère depuis 4 jours. Je sors petit à petit de mon ancienne vie de larve. Mais faut pas perdre ces petits plaisirs pour autant. Un bon petit film pour me faire oublier les tracas quotidiens. Après quoi, je m'en vais faire une nouvelle sieste. Dès demain, je reprends l'entraînement. Arrivé à la salle de gym, un type me fait signe de venir l'aider. J'aurais préféré m'entraîner. Mais le gars est sympa et sacrément massif. Si je lui rends service, il pourrait me filer 2 ou 3 astuces, qui sait. Allez, j'aide à faire son développé couché et j'y retourne. On discute un peu le temps qu'il reprenne. Il me parle d'un entrepôt en banlieue où s'y joueraient des combats clandestins. Ça a l'air dangereux, mais je m'y ferai facilement de l'argent. Bon, je retourne à mon entraînement. En rentrant chez moi, je tombe sur une sorte de mallette bizarre. Je me demande bien qui a pu la mettre là. Mais j'ai pas le temps de m'y attarder. Je dois me préparer pour mon combat d'aujourd'hui. J'ai pris soin de me concentrer sur ce que je sais faire. Je mets des bonnes patates et mes bras sont résistants. Je m'affaire à bourriner mon adversaire tout en encaissant ses contre-attaques. Le type est bien coriace, il me met au tapis plusieurs fois. Mais finalement, j'ai le dessus. Déjà 2 combats de remportés cette semaine, c'est un bon début. Je suis confiant et je me rends chez Kazé pour l'aider à livrer ses pizzas. C'est pas le meilleur job du monde et je perds vite ma motivation pour un maigre salaire. Passer la nuit sur un scooter, c'est déprimant. Au moins, les chantiers payent bien et me maintiennent en forme. Je vais pas faire ce job très longtemps, je crois. Les jours passent, la salle de gym me permet de persévérer et j'enchaîne les combats. J'aimerais bien un jour avoir assez d'argent pour me procurer mon propre matériel. J'ai remis le couvert contre Sangmo qui voulait une revanche. Il a bien progressé, mais hélas, pas autant que moi. Après le match, un certain Roy qui avait parié sur moi vient me féliciter. Il m'offre une tournée, un chic type. Autant aller se détendre autour d'une bonne bière après un tel combat. Il m'amène dans un bar un peu miteux, mais au final, c'est tout le ghetto qui est dépravé ici. Je vois pas le temps passer. La boisson me monte à la tête, faut dire que j'ai l'alcool nerveux. Quand je picole, je deviens vraiment, mais alors vraiment, vénère. Tellement que je me laisse aller, et me voilà à parier ma vie dans un de ces combats de rue. Moi ça me fait pas peur, qui s'amène? J'ai ça dans le sang. Je me réveille avec une gueule de bois et un ventre vide. Je suis couvert de bleu et j'ai plus un rond. Je suis vraiment un crétin. Je me suis laissé aller. Je retourne voir le vieux Mike en regardant le sol de honte. Cette fois-ci, ce sera la dernière fois qu'il m'aide. Après quoi, je devrais me débrouiller. Le vieux a raison. C'est plus le moment de déconner. Si je veux progresser, faut que j'arrête de penser au plan B et à flâner dans les endroits chelous. Dans 3 jours, c'est la prochaine ligue, c'est pas le moment de se dégonfler. J'ai un objectif, je ferai tout pour l'atteindre. Tu verras, papa. Où que tu sois, tu seras fier de moi.